commencement. Alors, pour vous qui avez été absent vendredi... Ce sera la réunion du Saint-Esprit avec un roi de Dieu, un père pour le réveil du Congo, un homme que Dieu utilise dans le monde entier et Dieu nous a donné l'opportunité qu'il est loué. Sacrificateurs font. Alors il a voulu faire le sacrifice de lui-même, croyant que c'est une affaire de gibier, de pétrole et puis d'allumettes. Mais les choses sacrées, tout le monde ne peut pas le faire. Et la Bible dit que ce jour-là, la colère de l'Éternel s'est abattue contre lui parce qu'il n'a pas su attendre le temps. Quelqu'un dit avec moi, le temps de Dieu est le meilleur. Je ne sais pas si vous êtes prêts à recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui sera plus grand qu'hier. Aujourd'hui sera plus fort qu'hier. Hier, l'homme de Dieu a dit qu'il va rendre un grand service. Alors, si hier, ce qui s'est passé n'était pas grand, dis à ton frère, ça va chauffer. Est-ce que vous êtes prêts à décoller? Mais comme je vous l'ai dit, chaque jour aura une présentation particulière. Je voudrais qu'on prenne, restez debout s'il vous plaît, parce que je ne vais pas être long aujourd'hui. Actes chapitre 9, le verset 36. Je lis la parole de Dieu et je voudrais que chacun prête l'oreille. Est-ce que quelqu'un dit avec moi, j'accepte de prêter mon oreille et de prêter mon cœur pour entendre la parole de Dieu? Je ne viens que ouvrir le chemin à papa. La Bible nous dit ceci, Actes chapitre 9, à partir du verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Quelqu'un dit avec moi, dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever ensuite. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta et vivante. Alléluia. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous dit qu'il y a eu un temps où notre Seigneur Jésus-Christ vivait parmi les hommes. Et pendant qu'il vivait parmi les hommes, il passait de contrée en contrée, annonçant que le royaume est là. Et il a exercé un ministère glorieux et puissant. Et comme je le disais le premier jour, il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille afin que vous fassiez des œuvres plus grandes que moi. Alors, il mourut et il ressuscita le troisième jour. Et ils étaient tous dans la chambre haute, plusieurs disciples au nombre de 120, recherchant l'accomplissement de la promesse. Et la Bible nous enseigne qu'il y eut une vague de disciples qui furent touchés.
Alors là, nous tombons dans une période où il y avait des disciples qui aimaient la parole de Dieu, qui aimaient la puissance. Ils étaient bons dans l'aumône, ils étaient bons dans l'œuvre avec les mains. Mais il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quelque chose qui allait pouvoir les emmener très loin. Et la Bible dit que dans cette église, dans cette assemblée de saints, il y avait une femme qui était marquée par sa manière de faire l'aumône, ses offrandes, sa manière de travailler à l'église. Mais un temps arriva où elle mourut. Et pendant qu'elle mourut, la Bible nous dit que les disciples de cette église qui priaient Jésus, ce jour-là n'ont pas cherché Jésus. Ils n'ont pas prié. Ils ont dit, on sait qu'il y a un homme dans la ville qui n'est pas loin de la ville. Et nous savons que s'il arrive, ce qu'il nous manque va changer. Bien-aimé, celui qu'il va parler tout à l'heure, celui qui va annoncer le message, peut-être que toi tu n'as pas vu Jésus, peut-être que tu ne sais pas le prier, mais je sais une seule chose, il y a un homme qui est rentré dans la ville d'Anderlecht. Et cet homme ressuscitera tout ce qui est mort en toi. Il ne s'agit pas de faire le culte à un homme, mais de parler de quelqu'un qui a reçu une capacité, celle de réveiller tout ce qui était mort dans ta vie. On n'a pas demandé où est Jésus, on n'a pas demandé où est Dieu, mais on a demandé où est Pierre. Aujourd'hui, je veux que tu te prépares à attendre une personne. Ne cherche pas loin Jésus. Jésus habite en une personne. Et cette personne, c'est celui qui va t'annoncer un message vivant et puissant. Pendant 2 jours, il nous a bénis. Et aujourd'hui, je sais une seule chose. Comme j'ai eu l'habitude de le dire, on peut ne pas voir Jésus, mais on peut le voir au travers des œuvres d'une personne. Je ne sais pas de quelle couleur est Jésus. Les disciples de Joppé ne savaient pas qui était Jésus, ne l'avaient pas vu. Mais ils savaient qu'il y avait une personne qui s'appelait Pierre, qui l'avait rencontré, qui avait reçu la puissance du Saint-Esprit. Alors si Pierre est là, la vie changera. Je veux emmener votre pensée dans une autre dimension en vous disant que Dieu passe par un homme aujourd'hui pour visiter la Belgique, pour visiter Anderlecht. Et si tu le vois, tu verras la gloire de Dieu certainement. Alors ce soir, sinon ce matin, est-ce que quelqu'un est prêt à voir la main de Dieu se manifester? Ce qui m'a étonné pendant 2 jours, beaucoup de gens n'ont pas compris que Dieu est en train de visiter la ville. Mais si tu crois aujourd'hui que Dieu est en train de visiter ta maison, tu es en train de visiter ton ministère, tu es en train de visiter ta famille, si tu t'accroches à une parole, je sais que tu t'es déplacé. Beaucoup diront, on ne se déplace pas pour les hommes. Mais laissez-moi vous dire, on ne se déplace pas pour tous les hommes, mais il y a des hommes pour qui il faut se déplacer. Alors il était à Paris et je lui ai dit, papa, je sais que tu passes par la Belgique. Nous n'étions même pas dans son programme AMPMIV. Et lorsque je lui ai demandé, il m'a dit automatiquement, oui. Et c'est là que j'ai compris, j'avais parlé d'une vision que j'avais eue 2 semaines même avant de le rencontrer. Je ne savais même pas que je devais le rencontrer puisque lui et moi on était en Afrique du Sud. Et quand il a dit oui, j'ai dit c'est que quelque chose va se passer en Belgique. Bien aimé, est-ce que vous êtes prêt à honorer une onction que vous allez recevoir? À honorer un homme oint qui va se tenir derrière cette estrade. En parlant, je sens déjà cette onction fraîche, cette onction puissante de Dieu. Sans plus tarder, je voudrais qu'on puisse accueillir l'archevêque, le père, le papa, Albert Kakenza. Célébrer la Seigneurie de Jésus avec une grande ovation.
Je sens une glorieuse présence de Dieu ce matin. Les anges de Dieu sont ici. Le Saint-Esprit est là. Ça va, jeune homme? Tu es le frère de celui-là? Béni soit le nom du Seigneur. Prenez vos Bibles, on va lire la parole. Restez debout avec moi. 1 Corinthiens 12. Corinthiens 12, à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En fait, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons le faire chaleureusement avec des cris de joie? Restez avec moi quelques instants debout. Avant toute chose, je voudrais encore une fois de plus dire merci au prophète Joseph pour son invitation et pour m'avoir fait passer un très bon séjour à Bruxelles. Un accueil chaleureux, beaucoup d'amour, beaucoup de respect et de considération. Merci beaucoup, mon fils. Je te remercie. Merci à vous. Merci à vous tous qui étiez là depuis vendredi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à votre pasteur résident, Axel, un garçon merveilleux. Merci. Au mois de juin, je reviendrai en Europe au mois de juin pour d'autres services. Et à cette occasion, j'ai eu à cœur, compte tenu du travail que fait le prophète Joseph dans les extensions, en mettant en place différentes extensions du ministère, de la communauté, je lui ai dit que tu mérites d'être élevé au rang d'un évêque parce que tu es le surveillant. Parce que un évêque, ce n'est pas un ministère. L'archevêque comme moi, ce n'est pas un ministère, mais c'est un rang. C'est un rang qu'on donne. Nous avons nos ministères. Je suis pasteur, c'est mon ministère.
mais j'ai été élevé au rang d'archevêque général pour avoir dirigé les églises élevées pendant 18 ans. Et c'est comme ça que, à la fin, tous les pasteurs de mon pays ont décidé de m'élever à ce rang de dignité d'archevêque général. Et j'ai dit à Joseph, j'ai dit, tu dois être élevé à ce rang-là, tu mérites ce rang. Parce qu'un évêque, c'est un surveillant. Donc au mois de juin, il y aura un grand événement à Paris pour son élévation. Pour son élévation au rang d'évêque. Est-ce que vous êtes dans la joie pour ça? Merci beaucoup. Maintenant, élevez les deux mains avec moi. Nous voulons nous recueillir un peu en chantant Agnus Dei. Cher Saint-Esprit, merci. Sur nous. Souffle un vent impétueux au milieu de nous ce matin, en nous faisant du bien, en guérissant les malades, en libérant les captifs, en changeant nos vies, en transformant nos vies, en touchant nos familles. Nous t'invitons à prendre le contrôle de toutes choses. Que toute présence maléfique, démoniaque, satanique, cède la place à la gloire de Dieu. Que tout esprit de maladie cède la place à la guérison. Que la nuée lumineuse nous couvre ce matin. Seigneur Jésus, règne, domine, règne au milieu de nous. Que nous disparaissions, mais que toi tu sois vu ce matin. Fais-nous du bien. C'est toi l'objet de notre joie, le sujet de notre allégresse.
C'est toi notre force. C'est toi notre salut. C'est toi notre vie. Jésus, nous t'élèvons. Nous te célébrons. Nous t'exaltons. Tu es le Dieu incomparable. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Rédempteur éternel. Car il est écrit, Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en ton nom tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que tu es le Seigneur. Laisse-moi clamer ta Seigneurie, Seigneur. Tu règnes, tu domines. C'est toi le roi des rois. Le vainqueur de Golgotha, le ressuscité du troisième jour, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Les lions de la tribu de Judas, l'étoile brillante du matin, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois les acclamations de ton peuple. Règne, 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 domine, domine, domine encore, domine. My soul, oh, my Jesus, my Jesus, he's the Savior, my soul. Oh, he's the Savior, my soul. He's the Savior, my soul. Oh, my Jesus, my Jesus, he's the Savior, my soul, he's the Savior. I am the Lord that il est dit. I am the Lord your healing. I send my own. I send my own. And I heal. And heal my disease. I am the Lord. Jesus, your Jesus. Sing again, I am the Lord. 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 Your healer. Your healer. I am the Lord. And I heal my disease. I am the Lord, your healer. Your healer. For I am the Lord. I am the Lord.
sent my word. And he Lord, Lord Jesus. I am the Lord. I am the Lord. Your healer. Your healer. Oh, come on. I am the Lord, your healer. I sent my word. I sent my word. And healed. And healed my disease. I am the Lord. I am the Lord. Your healer. Your healer. Jesus. Oh, Jesus, Jesus, oh, Jesus, Jesus, oh, Jesus, your presence, makes me whole. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Your presence makes me whole. Asseyez-vous. Veuillez vous asseoir. Avec le Saint-Esprit, c'est l'histoire de la chambre haute. Mon histoire avec le Saint-Esprit, c'est l'histoire du feu sacré. Mon histoire avec le Saint-Esprit, c'est l'histoire de la chambre haute. Oh, quelle belle histoire! Mon histoire, oh mon histoire, mon histoire. Oh, mon histoire, mon histoire, oh, mon histoire, c'est l'histoire de la vie. Mon histoire, oh, mon histoire, mon histoire, oh, mon histoire, mon histoire. Oh, mon histoire, c'est l'histoire de la vie. Un jour, j'étais en Israël avec mon équipe, une délégation de 20 pasteurs. Nous sommes allés tenir notre... J'ai une structure, une conférence que j'appelle l'école du Saint-Esprit. Et pendant 2-3 ans, je suis allé en Israël pendant la Pentecôte organiser l'école du Saint-Esprit en Israël, à Jérusalem.
Je crois vous avoir dit le premier jour l'expérience qu'on a vécue à la chambre haute avec toute ma délégation. Une grande gloire était descendue sur nous dans la chambre haute, à la chambre haute. Et quand je suis rentré à l'hôtel, je sentais cette présence tout le long de mon parcours. Combien j'aime la présence de Dieu. Combien j'aime ma relation avec le Saint-Esprit, mon amitié avec le Saint-Esprit. Et dès que j'ai ouvert la porte de la chambre, quelle belle surprise dans ma chambre. J'ai trouvé toute la chambre remplie de la nuée. Dès que je suis entré dans ma chambre, je commençais à chanter. Mais je ne comprenais pas. Au fond de moi, je me posais des questions, mais qu'est-ce que je chante? C'est Alain Moloto, c'est qui? Je n'arrivais pas. Mais il y avait telle une présence glorieuse dans ma chambre, il y avait la fumée, la nuée. Et je commençais à chanter. Mon histoire avec le Saint-Esprit, c'est l'histoire de la chambre haute. Mon histoire avec le Saint-Esprit, c'est l'histoire du feu sacré. Mon histoire avec le Saint-Esprit, c'est l'histoire des choses inhabituelles. Oh, quelle belle histoire. Mon histoire, oh mon histoire. Mon histoire, oh mon histoire. Mon histoire, oh mon histoire. C'est l'histoire de la vie. Pour la première fois dans ma vie, je venais de composer ces cantiques. Ça ne vous plaît pas, ces cantiques-là? Et je chantais. Je prenais ma douche en chantant ces cantiques. Je suis descendu au restaurant, trouvé ma délégation. Et j'ai commencé à chanter avec eux. J'ai dit, le Saint-Esprit vient de me donner un cantique. Et au restaurant, chantait tous. La gloire est descendue au restaurant. Les gens se sont mis à parler en langue. Baptisé du Saint-Esprit, il y en a qui roulaient par terre en chantant. Mon histoire, oh mon histoire. Mon histoire, oh mon histoire. Mon histoire, oh mon histoire. C'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la chambre haute. C'est l'histoire de la Pentecôte. C'est l'histoire du feu sacré. Quelqu'un ce matin va avoir une nouvelle histoire avec Dieu. Je sens. Je sens dans mon esprit. C'est un matin formidable. Je suis en train de lutter avec des choses dans mon esprit. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais je sens que c'est très fort. Je sens les écluses de Dieu sont largement ouvertes ce matin. Il y a une présence de Dieu ce matin incroyable, une glorieuse présence de Dieu. Alléluia. Dans sa présence, les méchants ne résistent pas. Dans sa présence, les démons ne peuvent pas résister. Le vrai problème de l'Église aujourd'hui, nous ne cherchons pas la présence de Dieu. Et nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle les démons règnent, dominent. Des maladies dominent sur nous. Parce que très peu de nous demeurent dans sa présence. Nous sommes dans la distraction. Nous sommes attirés par des choses. Les loisirs, le sport. C'est bien toutes ces choses, mais nous devons avoir
du temps de rester avec lui. Quand vous restez avec lui, il vous délivre de beaucoup de choses que vous ne connaissez même pas. Il vous guérit même des maladies sans demander la guérison. Parce que quand vous demeurez dans sa présence, c'est comme des rayons solaires qui viennent vers vous. Et tout ce qui n'est pas de Dieu ne supporte pas la gloire de Dieu. Vous imaginez, Dieu dit à Moïse, demain, monte à la montagne. Il lui dit, monte à la montagne. Et quand tu y arriveras, viens seul. Viens seul. Il dit, quand tu seras à la montagne, même pas un bœuf autour de la montagne, même pas une vache, je ne vais voir rien, toi seul. Il y a des rendez-vous avec Dieu où Dieu n'a pas besoin que tu te fasses accompagner. Alors ce matin, s'il y a un démon qui t'a accompagné, il a fait un mauvais choix. Parce que la présence de Dieu ne l'a pas invité. C'est toi qui es l'invité de Dieu. Il dit, tu viens seul, seul. Et si quelqu'un veut t'accompagner dans la présence de Dieu, la présence s'occupera de lui. La gloire de Dieu s'occupera de lui. Il dit, monte seul. Ça veut simplement dire qu'à chaque fois que vous entrez dans la présence de Dieu, moi, ça m'arrive de rester 4 heures, 5 heures, et par moment aussi c'est trop fort, 6 heures par jour dans la présence de Dieu, où il n'y a pas quelque chose de plus glorieux que de rester là. L'amour de Dieu augmente. La crainte de Dieu augmente. La foi augmente. Vous ne vous battez plus pour la vie. Vous planez comme l'aigle. Parce que vous êtes dans sa présence. Sortez de la distraction. Recherchez la communion avec Dieu au travers de son esprit. Cherchez à faire du Saint-Esprit votre ami personnel. Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne que Jésus nous a laissée pour nous guider. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Et il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez les porter maintenant. Mais quand lui viendra, il vous enseignera toutes choses. Je suis sorti d'une église qui ne croyait pas au Saint-Esprit, ou aujourd'hui même qui ne croit pas au Saint-Esprit comme une personne divine, qui considère toujours le Saint-Esprit comme une force, comme une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne divine. C'est une personne qui parle. C'est une personne qui enseigne. C'est une personne qui instruit. Et vous pouvez devenir aussi ami du Saint-Esprit. Vous pouvez apprendre à lui parler, à l'entendre parler. C'est la chose la plus merveilleuse, l'amitié avec cette personne divine. C'est extraordinaire. Au fur et à mesure, je demeure constamment avec lui. Beaucoup de choses dans ma vie ont été complètement transformées. Recherchez-le. Il y a un mot dans les textes que nous venons de lire. À l'époque de réveil dans mon pays, vers les années 80, il n'y avait pas des églises de réveil. On ne les appelait pas églises de réveil. On les appelait des groupes de prière charismatique. Et on est parti des groupes de prière charismatique aux églises, aux ministères. Vers les années 78, 79, 80, on nous appelait des groupes de prière. Parce que notre accent était sur la prière. J'avais 20 ans à l'époque. Aujourd'hui, tous ces groupes de prière, avec le temps, sont devenus des églises, sont devenus des ministères. L'accent était sur l'appellation groupe de prière charismatique. Savez-vous pourquoi on y
utiliser les mots charismatiques. Malheureusement, ce même groupe de prière, qui était des groupes charismatiques, avec le temps, ont perdu la pensée charismatique. Les mêmes choses que nous avions reprochées à l'époque aux églises traditionnelles, aujourd'hui, on peut les retrouver dans beaucoup de nos églises. Parce que les charismes, groupe de prière charismatique, nous devons revenir à ça. Même si on ne s'appelle pas groupe de prière charismatique, mais les charismes, ça doit être constamment dans nos églises. 1 Corinthiens 12, c'est ça les charismes. 1 Corinthiens 12, c'est ça ce qu'on appelle charisme. En grec, charis. Charis qui signifie grâce. Charisma signifie manifestation de la grâce. Charismata signifie multiple manifestation de grâce. En d'autres termes, charisme, don spirituel. Donc nous étions des groupes charismatiques, c'est-à-dire des groupes qui acceptaient l'exercice des dons spirituels. Des groupes qui croyaient au charisme, qui croyaient à l'action du Saint-Esprit. Malheureusement, nos mêmes églises, aujourd'hui, quand les charismes se manifestent, on commence à dire magie, fétiche. Parce que nous avons rejeté les charismes. Nous avons rejeté l'action du Saint-Esprit. Nous sommes entrés dans des systèmes religieux. Comme ça que vous entendrez quelqu'un dire, chez nous on ne fait pas ça. Chez vous où? Chez nous. Mais notre chez nous, c'est dans la parole. Notre chez nous, ce n'est pas les systèmes établis. Donc charis, grâce, c'est comme ça que Paul pouvait dire, selon la grâce qui m'a été accordée. En d'autres termes, selon le don que j'ai reçu de Dieu, moi Paul, apôtre des païens, mais Pierre n'a pas reçu le même don d'aller vers les païens. Pierre a reçu la grâce de parler aux juifs, mais moi Paul, selon la grâce qui m'a été faite, selon le charisme que moi j'ai reçu, c'est d'aller vers les païens. C'est comme ça que tous les apôtres n'avaient pas la facilité d'aller vers les païens. Mais Paul, lui, a reçu la grâce d'aller vers les païens et de prêcher les païens la parole. À l'église, telle que vous êtes assis là, chacun de vous a droit à un ou deux dons. Mais souvent, nous mourons même avec nos dons, sans que les dons n'aient fait quelque chose. Beaucoup de gens sont dans des tombeaux, sont partis avec des dons qui n'ont jamais fonctionné, qui n'ont jamais été opérationnels. Et je pense que Dieu au ciel regrette pour beaucoup de gens qui meurent sans avoir écrit, sans avoir chanté des cantiques qu'ils pouvaient recevoir en inspiration, sans avoir prêché des choses, ils sont dans des tombeaux parce qu'ils n'ont pas permis au Saint-Esprit de valoriser des charismes qui sont en eux. Et ce matin, je voudrais prier avec vous pour que tous les charismes qui sont en vous deviennent opérationnels. Même ce qui est déjà opérationnel, que ça puisse atteindre le niveau de charismata. Charis, grâce. Charisma, manifestation de la grâce. Charismata, c'est là que moi je veux. Charismata, multiple manifestation de grâce. Est-ce que quelqu'un veut expérimenter les multiples manifestations? C'est à cela que Dieu nous veut. Expérimenter les multiples manifestations des grâces. Et en permanence, moi j'ai parlé en langue en écoutant une cassette audio de mon père spirituel dans le ministère Jean-Louis Jaillet, paix à son âme. C'est par lui que mon ministère était né. Il prêchait sur les raisons de parler en langue. J'avais 25 ans.
Et j'écoutais une cassette seule. Et quand il enseigne sur les raisons de parler en langue, il dit, si tu m'écoutes maintenant, je vais prier pour toi. Et je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, je veux parler en langue. Et je n'ai jamais su comment, à quel moment cela a commencé. Et je me suis retrouvé simplement en train de parler. J'ai transpiré, je suis tombé par terre. Les frères sont venus me trouver à la permanence en train de parler en langue. Les charismes ont commencé. Et ce matin, ceux qui n'ont jamais parlé en langue, si vous avez la foi et l'amour de le faire, vous allez le vivre. C'est ça même le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, des dons qui sont en vous commencent à se manifester. Vous ne viendrez plus à l'église que pour vous asseoir, pour écouter. Vous viendrez à l'église pour devenir aussi une pierre vivante, pour contribuer avec votre don. Tout le monde ne peut pas prêcher à l'église, tout le monde ne peut pas chanter à l'église, mais au moins chacun a un don pour faire quelque chose à l'église. Et je suis venu réveiller les dons qui dorment, et je suis venu ressusciter même les dons qui sont morts. Au nom de Jésus, je suis venu pour que différentes opérations se manifestent. Praise the Lord. Praise the Lord. Dieu est amour. À un, la parole de sagesse. À un autre, la parole de connaissance. À un autre, la parole du discernement. À un autre, les dons de guérison. À un autre, la prophétie. À un autre, à un autre, à un autre. C'est ça la volonté de Dieu. Qu'à l'église, à chacun de nous, quelque chose peut se manifester. Les charismes. Et moi, je suis d'avis que je ne m'arrête pas seulement au niveau des charismes, qui est la grâce, au niveau des charismes, qui est la manifestation, mais moi, je suis d'avis qu'on arrive au niveau des charismata. Que quelqu'un répète avec moi, charismata. Encore plus fort, s'il vous plaît. Pour la dernière fois. Charismata, c'est multiples manifestations. Vous comprenez? Multiples. Jésus n'est pas un Dieu d'un système, mais c'est un Dieu de multi-systèmes. Nous avions à l'époque des magnétoscopes, ces CAM, quoi encore? PAM. Et puis il y avait d'autres multi-systèmes. Multi, c'est-à-dire beaucoup d'opérations. Et à l'église, Dieu met les charismes à multi-systèmes, multi-manifestations. Jésus n'a jamais guéri tout le monde de la même manière. Tous les aveugles n'ont pas été guéris de la même manière. À un autre, il prend sa salive, il mélange avec la boue, il met dans les yeux, il dit vois. Un autre, que veux-tu? Je vais recouvrir la vie. Voix. Multi-manifestation. Donc nous ne pouvons pas dire que Dieu, pour opérer, il est obligé de faire telle chose. Non. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu est souverain. Pour opérer, il n'a pas besoin de notre schéma. Il n'a pas besoin de notre façon de faire. Il est souverain à Adonai. Il fait ce qu'il veut. Et lorsque les charismes, les dons spirituels se manifestent dans une église, je peux vous assurer que c'est le début d'un grand réveil. Parce que quand les gens sont baptisés du Saint-Esprit et que les dons se mettent en marche, c'est la gloire. Malheureusement, le diable, connaissant toutes ces choses, il étouffe ce genre de réveil. Il amène les querelles dans les églises. Il amène les disputes dans les églises. Il amène des conflits dans les églises. Il amène la distraction pour que les gens ne se concentrent pas sur ces choses et se concentrent, perdent leur temps sur des choses stériles pour étouffer le réveil. Parce que s'il y a quelque chose que le diable craint, c'est le réveil. À chaque fois qu'il y a un réveil, les âmes sont gagnées, des vies sont sauvées.
des malades sont guéris. Le royaume de Dieu est peuplé. Et le diable ne peut pas aimer ça. C'est pour ça qu'il combat l'église. Il combat des pasteurs. Il combat des hommes de Dieu. Il combat l'église pour étouffer, concentrer l'attention de tout le monde sur des futilités. Sur des choses qui n'édifient pas. Et les gens perdent le temps sur ça. Au lieu de se concentrer sur leur don, sur leur charisme. Et qu'ils puissent édifier chacun selon son appel, selon sa grâce d'édifier l'église. Je vous disais l'autre jour, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il commence à citer, ils parleront en langue, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Quand le Saint-Esprit arrive, nous voyons d'autres opérations. Comme Paul dit, diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Jésus n'avait jamais dit sur sa liste, les gens marcheront et l'ombre guérira. Il n'avait jamais dit ça. Jésus n'avait jamais dit, on imposera les linges des malades sur le corps d'un homme de Dieu, on les amènera chez les malades seront guéris. Jésus n'a pas dit ça. Mais quand le Saint-Esprit est venu, avec les charismatas, on a vu multiples manifestations. Donnez gloire à Jésus en l'acclamant. Multiples manifestations. L'église doit accéder à la dimension de multiples manifestations. Et le diable ne veut pas que l'église arrive à ce niveau-là. À chaque fois que quelques manifestations commencent, le diable est le premier à utiliser, même les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Attention, ça ne vient pas de Dieu. Attention, attention. Moi, personnellement, je ne vois pas pour quel intérêt je vais laisser la puissance de Dieu pour chercher la puissance de la magie. Je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi je vais laisser le Dieu qui m'a oint, qui m'a donné l'onction, la plénitude pour aller à la franc-maçonnerie. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi, avec tout ce que j'ai vu comme manifestation dans ma vie, et je peux aller chercher un pouvoir sur le diable, alors que le pouvoir que Dieu m'a donné est largement supérieur au diable. Mais vous pouvez entendre les gens quand ils vivent des manifestations. Attention avec en 15 ans. C'est des choses que Jésus avait dit dans les derniers jours, les faux prophètes viendront. On n'a jamais vu ça. Mais pourquoi vous voulez voir ce que tout le monde est habitué à voir? Quand les charismatas arrivent, c'est des choses que la Bible dit, c'est des choses que l'œil n'a point vu, que les choses que l'oreille n'a point entendues. Voilà le Dieu que j'aime prêcher. Le Dieu des choses que l'œil n'a point vu. Je refuse de prêcher un Dieu qui fait des choses que l'œil a déjà vues. Je veux un Dieu qui fait des choses que l'œil n'a pas encore vues. Et toi aussi, tu vivras des choses que l'œil n'a pas encore vues. Tu vivras des choses que l'oreille n'a pas encore entendues. Les apôtres étaient habitués avec un Jésus qui guérissait les malades. Ils étaient habitués avec un Jésus qui ressuscite les morts. Ils pensaient que tout s'arrêtait là, à la résurrection des morts, à la guérison des malades, à la purification des lépreux, à la multiplication des pains et des poissons. Pour les apôtres, tout s'arrêtait là. Mais ils pensaient que Jésus, ils ne savaient pas que Jésus avait d'autres recettes. Je viens dire à quelqu'un, il y a encore des recettes. Il y a encore des recettes. Des recettes qui ne sont pas encore révélées. Dans ce ministère, il y a encore des recettes. Dans vos vies, il y a encore des recettes. Jésus n'a pas révélé toutes les recettes. Les apôtres ont mangé les pains et les poissons. Ils ont dit non, en tout cas, Jésus est formidable. Il ressuscite, ah, Jésus est bon. Là, Jésus était bon. Il guérit, Jésus était bon. Mais le jour où il donne une autre recette, il marche sur les eaux. Ils ont dit non, c'est un fantôme. Jésus veut t'amener au niveau où les gens peuvent parler. Alléluia. Quand Jésus marche sur les eaux,
J'aime la version du français courant, on dit Jésus était sur le point de les dépasser. C'est comme s'il avait des roues sur les pieds. Et ils étaient dans la barque. Il regarde, il voit quelqu'un qui veut les dépasser. Je déclare que cette année, tu dépasseras les gens. Tu dépasseras les gens. Ta vie dépassera les gens. Ceux qui croient être partis avant, ils se rendront compte que tu es sur le point de les dépasser. Ceux qui croyaient que tu as échoué, ils se rendront compte que tu es sur le point de les dépasser. Et au lieu de reconnaître que Dieu travaille, ils diront, il a touché à quelque chose. Et tu leur répondras, oui, j'ai touché à quelque chose. J'ai touché au Saint-Esprit. J'ai touché à Jésus. J'ai touché à la parole. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Que l'onction de charismata vous soit accordée. Que de multiples manifestations se concrétisent dans vos vies. Que des choses inhabituelles vous accompagnent. Des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Que de nouvelles recettes arrivent dans vos vies. Que les gens qui vous entourent disent, on ne le reconnaît plus. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Il y a des choses en toi qui ne sont même pas encore montées dans ton cœur. Et que tu ne pourras jamais imaginer. Mais ces choses-là sont en toi. Si tu demeures dans sa présence, ça va éclater. Et quand ça éclate, ça s'appelle charismata. Ça s'appelle multiple manifestation. Je prophétise, j'annonce et je déclare à ta tête d'aujourd'hui que ta vie soit une vie de multiples manifestations. Dans les paroles de connaissance, dans la parole de sagesse, dans les miracles, dans toutes sortes de paroles, dans toutes sortes de dimensions, reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois le manteau de Dieu. Que ta vie soit restaurée. Que ta vie soit transformée. Que les gens qui t'entourent disent, on ne le reconnaît plus. Merci Axel. Criez plus fort d'autres recettes. Saoul, lorsqu'il a été loin, il commence à prophétiser. Son oncle même dit, depuis quand il prophétise? Je le connais, le gardien des brebis. Depuis quand il prophétise? Ce que Dieu veut faire avec toi va étonner ton entourage. Il faut que dans ta famille, dans ton entourage, les gens commencent à se poser des questions. Mais que se passe-t-il? On ne les connaît pas comme ça. Même Jésus, Paul dit, nous ne les connaissons plus selon la chair, mais nous les connaissons selon l'esprit. Parce que selon la chair, c'est l'enfant de Marie. Selon la chair, c'est l'enfant de Joseph. Selon la chair, c'est l'homme du Moyen-Orient. Selon la chair, c'est un juif. Mais selon l'esprit, il est Elohim. Selon l'esprit, il est Yahweh. Selon l'esprit, il est Adonai. Selon l'esprit, il est Jehovah Tchikero. Jehovah Shalom, Jehovah Rapha. Toi aussi, ceux qui te connaissent selon la chair, oh, c'est l'enfant de notre tante, c'est l'enfant de notre oncle, c'est l'enfant de notre quartier. On a été à l'école ensemble, ça c'est selon la chair. Mais avec les charismatas, tu changes de dimension, tu changes de statut. Reçois la plénitude, reçois l'onction. Si tu es d'accord, dis yes. Encore plus fort, yes. Encore plus fort, comme on, yes. Asseyez-vous. Nous sommes dans une conférence de feu. Nous sommes dans une conférence de... Une conférence de... On ne peut pas vivre dans une conférence de feu et les gens rentrent comme en hiver. Non. Dans une conférence de feu, même s'il y a hiver, les gens transpirent. Les gens disent, non, il fait chaud.
Alléluia. Nous ne sommes pas des églises protestantes. Nous ne sommes pas des églises catholiques. Nous sommes des églises charismata. Là où il y a la vie, là où il y a l'opération, là où il y a diversité d'opérations, là où le Saint-Esprit est en action, là où le Saint-Esprit travaille. Paul dit, autrefois vous alliez vers les idoles muettes. Ça dit que les gens, pour connaître l'avenir, ils allaient vers les idoles. On vole quelque chose, je connais une femme, on lui a volé les bijoux. Première réaction, je vais aller voir le nganga. Il doit me dire qui a volé les bijoux. Autrefois, c'est ce que vous faisiez. Mais quand les charismates arrivent, au lieu d'aller là-bas, Dieu suscite des prophètes. Les prophètes parlent. Au lieu d'aller là-bas, Dieu suscite des hommes qui parlent. Vous n'avez pas besoin de féticheurs. Vous n'avez pas besoin de marabouts. Vous n'avez pas besoin de ces choses. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui parle. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui agit. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui donne la vie aux morts, qui ressuscite. Alléluia. Praise the Lord. Paul dit autrefois, vous allez vers les idoles muettes. Voilà pourquoi en ce temps, Dieu répand des dons spirituels, des charismata, pour que vous n'alliez plus là-bas. Tout ce dont vous avez besoin, vous le trouverez à l'église. Parole de sagesse. Quand Jésus parlait, on a envoyé les huissiers avec la convocation. Allez arrêter cet homme-là qui dérange tout Jérusalem. Ils sont venus, ils ont trouvé Jésus en train de prêcher. Avec leur convocation dans la poche. Bon, quand il va terminer, nous l'arrêtons. Le huissier dans la foule écoute Jésus. Il déchire leur convocation. Il dit, jamais l'homme n'a parlé. Le charisme. En réalité, que veut dire charisme? Charisme veut dire attrayant. Un charisme veut dire beauté. Grâce, attrayant et beauté. Ça dit que la beauté attire. Le charisme attire. À cause du charisme, même si tu ne t'habilles pas bien, le charisme va attirer les gens. À cause du charisme, même si tu n'as pas d'argent, les gens vont venir vers toi. À cause du charisme, même si tu ne parles pas un bon français, les gens viendront vers toi. Parce que le charisme attire. À ta tête d'aujourd'hui, que ton charisme attire les gens. Que ton charisme attire les gens. Que les gens viennent vers toi. Que les gens te fassent du bien. Que les gens te bénissent. Que les gens viennent vers toi. Que ton onction attire. Que ton charisme attire. C'est lui qui dit, mais que cela soit ainsi. Il rentre au commissariat. Mais où est le monsieur Jésus? Chef, jamais l'homme n'a parlé comme celui-là. On lui dit, vous aussi vous devenez ses partisans. Si vous voulez, allez l'écouter. Si vous l'écoutez, vous-même vous allez changer d'avis. C'était ça, le charisme. Le charisme change la vie des ennemis. À l'un, la parole de sagesse. Jésus était plein de paroles de sagesse. Lorsqu'il parle, il parle. Ok, non. Pas parler comme ça. Je me rappelle quand nous sommes allés à Sand City au dialogue intercongolais. En 2002, j'avais 43 ans, je crois. Il y avait des hommes politiques. Des gens, tous nos hommes politiques congolais étaient là. Et moi, j'étais le plus jeune des chefs des confessions religieuses. Alors, le cardinal Echao, paix à son âme, il me dit à Lingala, mon fils, ce que tu nous as dit hier là en privé, est-ce que tu ne peux pas le dire à ces hommes-là? Moi, là, et loco, le bakilo, bionoko, le banabango, télélo. C'est-à-dire, quand nous étions ensemble, j'avais donné un exemple dans la Bible et tout s'était touché. Et le cardinal me dit, Lélo, le bango, hein. Alors, je me suis mis à parler. J'ai dit, le Congo, c'est comme un enfant. Il y a deux femmes qui se battent pour l'enfant. L'une dit, c'est mon fils. L'autre dit, c'est mon fils. Et Salomon, comme il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de laboratoire pour examiner, il dit, donne-moi les couteaux. Je vais couper l'enfant en deux. Je vous donne à chacune de vous les morceaux. La fausse mère dit, coupez.
Mais la bonne mère dit, ne coupez pas, laissez l'enfant qu'il grandisse. Peut-être qu'un jour, il me reconnaîtra. Salomon dit, la vraie maman, c'est celle-là. Alors, à Sam City, j'ai dit, le Congo, c'est comme un enfant. Les rebelles disent, coupons. Ceux qui sont au pouvoir disent, coupons. Mais alors, qui peut être la bonne mère pour dire, ne coupez pas le Congo, que le Congo reste un et indivisible. J'ai vu des politiciens pleurer. À la fin, un politicien m'a suivi. Tu as quel âge? Il pensait que c'est une affaire de l'âge. La sagesse n'a pas besoin d'âge. La sagesse, Jésus a 12 ans, il a étonné les gens dans les temples. Parce qu'il est lui-même l'auteur de la sagesse. Quelle onction de sagesse arrive dans la vie de quelqu'un? Que les dons de sagesse arrivent dans la vie de quelqu'un? Je lui ai dit, j'ai 43 ans. Il dit, ah! Tu parles vraiment, c'est comme un vieux papa. Tes paroles sont comme lui ne connaît pas la parole. Tu étonneras les gens par la voix de la sagesse. Jésus se trouve devant une femme. Il dit à cette femme, tu as eu 5 maris. Maintenant tu en es au 6e. Et le 6e n'est même pas ton mari. Comment tu sais? Voilà la parole de la connaissance. Des choses cachées, il les révèle. À l'un, la parole de sagesse. À l'autre, la parole de connaissance. Charismata. Jésus a opéré dans toutes ces manifestations. Dans la sagesse. Dans la connaissance, Jésus a opéré. Il a opéré dans des guérisons. Il a opéré dans les délivrances. Parce qu'en lui, il y avait la dimension de multiples manifestations. Charismata. Que Dieu vous amène à accéder à ces dimensions du surnaturel. Que votre vie surprenne les gens. Que votre vie chrétienne étonne les gens. Que votre marche avec Dieu surprenne les gens. Que les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Et vous leur direz, j'ai rencontré un ami merveilleux. Le Saint-Esprit a changé ma vie. Le Saint-Esprit m'a touché. Il était dans la barque. L'eau commence à entrer dans la barque. Jésus dormait. En réalité, il ne dormait pas. Il faisait semblant de dormir parce que lui ne dort ni ne sommeille. Il vient de secouer. Mais tu dors. Nous allons périr. Il regarde. Tempête, arrête-toi. Multiples manifestations. Et Jésus dit, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Il dit, vous pouvez le faire même des œuvres plus grandes. C'est-à-dire que pour Jésus, si vous ne le faites pas parce que vous ne croyez pas vous-même, vous ne le faites pas parce que vous vous sous-estimez, vous ne le faites pas parce que le péché vous empêche de vivre ces choses. Jésus n'est plus sur la terre, comme disait le prophète. Jésus n'est plus sur la terre. Mais c'est nous qui sommes là. Comment le monde, la Bible dit, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils, pas du fils, des fils de Dieu. C'est-à-dire que les gens qui nous entourent sont fatigués des discours politiques, sont fatigués des mensonges, sont fatigués des fables, ils sont fatigués des légendes, ils sont fatigués des discours stériles. Ils ont besoin de voir à travers l'Église la gloire de Dieu, de voir le charismata, de voir des recettes cachées. Axel, nouvelle recette. Je vois que tu aimes ça. Tu aimes recettes. Tu vois d'autres réserves. Viens. Pour que d'autres recettes commencent par toi. Take it in Jesus' name. Acclamons le Seigneur. Manifestation. Partout où tu iras. Si tu n'as pas le don de miracle, tu as certainement un don. J'actionne, j'active à dater d'aujourd'hui que ces dons se réveillent, que ces dons reviennent à la vie, que tu sois opérationnel au nom de Jésus, que ton don fonctionne, que ton don travaille, que le charisme en toi travaille, que la grâce qui est sur toi travaille. Personne ne tuera le feu qui s'allume aujourd'hui. Si tu es d'accord, lève-toi, crie plus fort. Yes! Je vais terminer.
Asseyez-vous, je vais terminer. Charismata. Charismata. Quelqu'un qui m'avait connu quand j'avais 25 ans. Je suis un prédicateur de la foi. C'est pour cela que mon église porte le nom de la foi abondante. Ah, il m'a connu avec le message de la foi. Mais 15 ans après, quand il y avait d'autres manifestations dans ma vie, il est venu me voir et m'a dit, mon frère Albert, vous savez, des gens trop spirituels, quand ils veulent parler, ils dramatisent les choses. Mon frère Albert, je te connais comme homme de foi. Mais des choses que je vois là, je suis perdu. Dis-moi, est-ce que tu es toujours avec le Seigneur tel que je t'ai connu là? Les intimidateurs. Moi, je les appelle les terroristes parce qu'ils terrorisent les gens. C'est des méthodes de 1945. Frère, craignez Dieu. Alléluia. Pourquoi intimider? Dis aux gens seulement que craignez Dieu. Prêche l'amour de Dieu, les gens vont le craindre. Parle avec l'aide du Saint-Esprit, la crainte va arriver. Tu n'es pas obligé de bien crier sur les gens. Attention, alléluia. Il me dit, frère Albert, dis-moi, ce que je vois là, c'est vraiment Dieu ou autre chose? J'ai dit, l'Albert que tu as connu, qui avait 25 ans, aujourd'hui il a peut-être 40 ans, ce n'est plus le même. Même dans la taille, il n'est plus le même. Je ne pèse même plus le même poids quand j'avais 25 ans. Comment veux-tu que je sois le même Albert de 25 ans? Je ne peux pas évoluer. Quelqu'un qui t'a vu hier veut que tu sois le même. Non. Nous sommes appelés à évoluer. Nous sommes appelés à monter. Nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à nous épanouir. Avec les charismata, on monte toujours. Les nouvelles recettes. Ça viendra toujours. Hier, nous sommes allés manger au restaurant. Axel a dit, ce repas-là, il y a trop de viande. Tel frère aime ça. Et quand le frère vient, il commande le même repas, mais avec trois morceaux de viande. On dit quoi? On a changé de recette ici. Dieu ne change pas de recette. Ce qui est en toi là, il est multiplié. Il ne les divise pas. Il ne les additionne pas. Il ne les soustrait pas. Il les multiplie. Que l'onction multiplie ta grâce. Que l'onction multiplie ton charisme. Que l'onction multiplie tes avoirs. Que l'onction multiplie tes finances. Que l'onction multiplie tes affaires. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, je suis à la fin. Charisme. Cher Saint-Esprit, viens, prends les contrôles de toutes choses, souffle sur nous un vent nouveau. L'ancien pêcheur de poissons, il posait trop de questions à Jésus. Nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous gagnerons? Son futur était incertain, tout était obscur. Mais lorsqu'il a reçu l'onction du Saint-Esprit, l'ancien pêcheur de poissons ressuscite les morts. L'ancien pêcheur de poissons fait marcher les paralytiques, l'apôtre Pierre. Et les gens de Jérusalem qui le connaissaient ont dit, nous connaissons cet homme qui était sans instruction. Mais ce qu'il fait là, même les gens instruits en théologie ne le font pas. Tu feras des choses que des gens plus instruits que toi ne peuvent pas faire. Tu feras des choses que des gens qui sont allés dans des grandes universités ne peuvent pas faire. Parce que les charismata te feront entrer dans une dimension de choses inhabituelles. Les charismata te feront entrer dans le surnaturel. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du surnaturel. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu de la monotonie. Ce n'est pas le Dieu du folklore. C'est le Dieu. On se connaît, maman. À qui même? Je vous vois souvent dans les écoles du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Vous êtes venu ici.
quelqu'un. Lève les deux, me dit charismata. Encore. Pour la dernière fois. Amen. Levez-vous, on va prier. Moi, il y a des églises où je ne prêcherai jamais jusqu'au retour de Jésus. Parce que dans ces églises-là, des gens comme nous, il y a la croix. On vous prêche, mais on dit, lui, ici, il ne peut même pas prêcher. Ce qu'il fait là, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas un problème. Si vous me refusez, je prêche même en ligne. On va m'écouter. Charismata. Il y a des églises qui, quand il y a ça, magicien, politicien. Ok. Mais moi, tout ce que je sais, je prêche Jésus. Jésus sauve encore. Moi, je ne suis pas politicien. J'ai été ami des politiciens. J'ai peut-être commis des erreurs. Tout homme commet des erreurs dans la vie. Mais mon travail, c'est prêcher la parole. Et plus jamais, j'entrerai dans le milieu politique. C'est la mort, c'est la pourriture. Ça détruit les charismatas. Peut-être vous, vous faites la politique, mais pas un homme de Dieu appelé comme moi. C'est pas bon. Ça détruit l'onction. Quand je suis entré en politique, j'étais député. Tout ce qui commençait à m'intéresser, connaître les articles de la Constitution. Commençait, au lieu d'étudier la Bible, comment chaque page de la Constitution, article est tel. Je ne suis pas juriste, mais je voulais me faire juriste. C'est la mort là-bas. Et j'ai vu comment j'ai été haï dans le monde entier. Pour avoir été dans un milieu qui n'est pas le mien. Dieu merci, il m'en a sorti. Cherchez Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez à rester dans sa présence. Dans sa présence, on mange sa gloire. On mange son amour. On mange sa bonté. Lèvez les deux mains avec moi. Dites après moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est mon jour. Le jour de mon miracle. Le jour de ma délivrance. Le jour de ma guérison. Le jour de la nouvelle histoire. Ô Père. Ton serviteur a parlé. J'ai écouté. J'ai de grandes attentes. Je veux voir ma vie changer. Je veux voir ma vie transformée. Que les charismes s'éclatent en moi. Que les dons qui dorment se réveillent. Que les dons qui sont enterrés, ressuscitent. Ô Saint-Esprit, souffle un vent puissant, un vent impétueux, maintenant même, à l'instant même, dans ma vie. J'ai les bras ouverts pour t'accueillir, Saint-Esprit. Viens me visiter. Viens me toucher. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Maintenant même. Maintenant même. Ô Saint-Esprit, il est écrit ce jour-là, dans la chambre haute, un vent impétueux a soufflé. Et la Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Fais-le maintenant. Remplis-moi. Remplis-moi. Baptise-moi de ton esprit. Je veux parler dans le nouvel langue.
que les dons se réveillent. Et maintenant, que le feu s'allume à moi. Que le feu s'allume à moi. Maintenant. Maintenant. Ô Saint-Esprit, que l'explosion de manifestation commence maintenant. Toi, Satan, le champion de la distraction, retire-toi de ma vie. Esprit de distraction, dehors. Esprit de péché, dehors. Ô Père, je suis à toi. Visite-moi. Touche-moi. Je le veux. Maintenant. 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 Que le feu s'allume en moi. Maintenant. Maintenant même. Garde tes deux mains levées. Holy Spirit. Holy Spirit. Jesus, your presence makes me whole. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus. Oh Jesus, your presence makes me whole. Les deux mains levées, les yeux fermés. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera pas dans la confusion. Cette fois, nous allons crier Jésus. Nous voulons invoquer ce nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui guérit. Le nom qui pardonne. Le nom qui délivre. C'est le nom de Jésus. Quand j'aurai dit Jésus, vous allez répéter après moi Jésus 7 fois. Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Tout sera fait en toute perfection aujourd'hui. Les démons vont partir. Les maladies vont quitter le corps. Des problèmes sans solution vont trouver des solutions aujourd'hui. À dater d'aujourd'hui, tu vivras des témoignages extraordinaires. La semaine qui commence, c'est la semaine des témoignages. C'est la semaine des prodiges. C'est la semaine des signes. Garde les mains levées. On va invoquer le nom de Jésus. Jésus! Il est là. Il est là. Les chaînes tombent. Les jougs sont brisés. Les maladies s'en vont. La stérilité est vaincue. La malédiction est vaincue. Au nom de Jésus. Jésus! Il est là. Il est là. Il est là. Jésus! Il est là. Il est là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Jésus! 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 Il nous reste les 2 fois. Garde tes deux mains levées. Tes deux mains levées. Tous les handicaps de ta vie vont tomber aujourd'hui. Tous les blocages vont tomber aujourd'hui. Tu rentreras une femme libérée. Un homme libéré. Jésus! Garde les mains levées pour la dernière fois. Il est là. Et après avoir crié Jésus, parle en langue.
Après avoir crié Jésus, frappe les mains, commence à prier, à faire des proclamations. Déclare les choses de ta vie. Que le vent du Saint-Esprit souffle cette fois-ci maintenant, d'une manière particulière. Attention. 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 Jésus. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer. The name of Jesus. The name of Jesus. Take it. Take it. Take it. Take it. Take it. Oh. Jesus. You are worthy to be
Je vais souffler dans mon micro comme je ne peux pas toucher tout le monde. Le vent de l'esprit va souffler dans la salle. Soyez prêts, les mains levées. The name of Jesus, Holy Spirit, touch. Les mains levées. Recevez l'esprit. Soyez visités. Soyez visités. Soyez visités. Partout il y a la maladie. Que la maladie quitte le corps. Quel que soit le nom et la gravité de la maladie, au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison miracle dans vos corps. Partout il y a des douleurs infernales, aujourd'hui c'est la fin de ces douleurs. Je déclare une guérison divine miraculeuse maintenant.
Tout ce que vous pouvez avoir comme problème sans solution, je déclare une saison de solution dans vos vies. À dater de ce matin, qu'un cycle nouveau se présente à vous. Un cycle de gloire, un cycle de victoire, un cycle de solution, une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Soyez visités. Soyez visités. Soyez visités. Acclamez le Seigneur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. Soulevez-moi le monsieur là. Ça va? Approchez. Comment ça se passe? Comment tu te sens? Serviteur de Dieu. D'être serviteur. Où? Au Burundi. Vous êtes en voyage missionnaire ici. Je suis à Lyon. À Lyon, au Bujumbura. Serviteur de Dieu, missionnaire. Vous résidez là-bas. Bujumbura. On vous a invité à cette conférence. J'ai eu une mission à faire ici. Vous rentrez à Bujumbura, un autre homme. Les gens qui vous ont connu ne vous reconnaîtront pas. Vous rentrez quand à Bujumbura? Le 16 juin. D'accord. Lève les deux mains. Regarde-moi, fixe ma main. Que la gloire du Dieu que je prêche descende sur toi. Relevez-le. C'est l'habit de qui? Écoute, monsieur, moi je ne te connais pas. Je vais faire comme Élie avec Élisée. Je te mets mon manteau. Ce que je fais, tu le fais. Et même plus. T'inquiète. Relève-les encore. Relevez-le encore. Take it again. Relevez-le encore. Take it again. Relevez-le encore. Cette fois. Take it again. Encore. Jusqu'à ce qu'il soit complètement ivre. Pour la dernière fois plus fort. Come on. Take it again. Laissez-le. Acclamons le Seigneur. Recevez l'onction de Dieu. Secouriste. Les autres. Oh my God. Bien joué. Attention avec les caméras. Oh. Take it. Laissez-la au sol. Acclamons le Seigneur.
colle, recevez l'onction, le manteau de Dieu. Recevez l'onction. Oh, 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 quelle présence, oh, 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 quelle gloire, aidez-moi à acclamer le Seigneur. Est-ce que vous pouvez acclamer plus fort? Take it. Oh! Ouf! 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 Continuez d'acclamer. Take it. Servante de Dieu. Ouh. Ouh. Venez, venez vous deux. Ouh. Continuez à clamer. Il est là. Ouh. Ça va, ma fille. Ouh. Les genoux. Sois guéri complètement. Laissez-la. In the name of Jesus. Laissez-la. Madame l'épouse de l'homme de Dieu, j'ai dit à ton mari, te reconnaîtra plus. Des choses nouvelles ont commencé dans ta vie. Que le feu entre dans tes mains. Sois le feu. Et que le manteau de Dieu descende sur toi. Père, que cette femme soit une aide formidable auprès de son mari. Que le feu du Saint-Esprit s'allume dans sa vie. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. We give you honor. La dame là derrière, en costume blanc. Oh. Madame, vous en face de moi. Oh. Laissez-la. Levez les mains. Dites avec moi, merci Seigneur. Encore merci Seigneur. Plus fort, merci Seigneur. Take it in the name of Jesus. Encore une fois, merci Seigneur. Quelle gloire. Asseyez-vous, asseyez-vous.
toute la gloire te soit rendue. Que tout l'honneur te soit rendu. Tu es Dieu, le sujet de notre joie, l'objet de notre allégresse. Et dans tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour ta gloire. Reçois la gloire dans tout ce qui vient de se faire en ce lieu ce matin. Nous ne voulons pas partager cette gloire, n'en aucune fois avec toi. Je te rends toute la gloire, Père. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur, le règne, la louange, les acclamations de ton peuple. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Merci, asseyez-vous. Je voudrais prier particulièrement pour les finances de plusieurs d'entre vous. Je crois que les vrais problèmes de l'Église aussi, nous devons avoir des hommes puissants matériellement, financièrement. Et Dieu nous a oint pour enrichir. Nous a oint pour enlever le joug de la pauvreté, le joug de faire du surplace. Je crois en cela. J'ai vu dans mon ministère, dans ma vie, le Seigneur prendre les gens du néant et faire de grandes personnes, matériellement, financièrement, dans mon église particulièrement. Il y a un jeune homme dans mon église, il dormait à l'église. Son père le sous-estimait à la maison, ne le considérait jamais. Son père lui disait, tu n'as même pas la valeur d'une chaise. Parce que la chaise, si je suis fatigué, je peux m'asseoir. Mais toi, qu'est-ce que tu représentes pour moi dans cette maison? Et il a quitté la maison, il a commencé à dormir à l'église. Mon fils, apôtre Bangala, qui est là, nous l'acclamons. Il sait, c'est mon fils, c'est le fils qui est sorti de mes entrailles dans le ministère. Il sait de qui je parle, de ce jeune homme-là, c'était leur ami. Un jour, je prêchais, je me suis tenu devant lui, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu dans la vie? Il m'a dit, j'élève les poules. J'ai dit, tu en as combien? Il dit, j'en ai 6. Et puis j'ai dit à tout le monde à l'église, j'ai dit, regardez ce jeune homme-là. Je vais changer son nom aujourd'hui. Désormais, commencez à l'appeler roi des poules. Parce qu'il aura un royaume de poules. Ça va se multiplier. Et je lui ai dit, désormais, dans les culs des dimanches, habille-toi comme un roi. Même si tu n'en as pas, va chercher, même dans les tombolas, là-bas, des cravates, chemises, porte comme un roi. La foi, c'est le comportement. La foi, c'est l'attitude. La foi, c'est poser des actes. La foi, c'est de la folie. Même si les gens ne vous comprennent pas, mais si vous croyez en quelque chose, comportez-vous à la manière dont vous croyez les choses. Vous n'avez pas besoin que les gens croient en vous. Croyez en vous-même, vous-même. Vous n'avez pas besoin que les gens vous estiment. Commencez pas à vous estimer vous-même. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je lui ai dit, habille-toi comme un roi, marche comme un roi. Et dans le cul de dimanche, après, il dit, viens, mais salut, je vais te voir en cravate, comme un roi. Cravate, veste, va chercher même, je ne sais où, habille-toi convenablement, parce que tu es un roi. Plusieurs mois après, le garçon est devenu un grand champion de poules. Il a pu acheter une maison pour son père, des véhicules. Et tout le monde l'appelait King, King, King. Je crois que l'homme de Dieu, quand il prononce des paroles, Dieu accompagne ses paroles. Preuve de l'or. Inutile de vous dire la suite de sa vie. Il n'a pas bien marché avec Dieu et puis il a régressé avec des choses. Mais au moins tout le monde l'a vu. Ce que l'homme de Dieu avait dit a fini par arriver.
une femme de mon église. Son mari était mort du sida. C'était un polygame de 3-4 femmes. Et puis toutes les femmes sont mortes. Mais une est venue me voir avec 3 résultats positifs de la maladie. Et j'ai prié, je lui ai dit, va refaire des examens. Le Dieu que je prêche t'a guéri. Elle est rentrée, elle a fait les examens. Le médecin dit, mais madame, on a déjà fait 3 fois. Qu'est-ce que tu cherches la 4e fois? Il dit, je suis venu confirmer mon miracle. Voilà la foi. Heureux l'homme qui croit sans avoir vu. On commence par proclamer sans avoir vu. Même si tu as encore des douleurs, aujourd'hui commence à dire, je suis guéri. Et Dieu va voir ta foi et le miracle va arriver. Il ne faut pas dire, j'attends de voir pour témoigner. J'attends de voir pour glorifier. Non, non, la foi n'attend pas de voir. La foi a ses yeux à elle. Ses yeux de l'esprit qui voient plus que les yeux ordinaires. Cette femme a été chassée de la maison par la belle famille, comme ça se passe un peu en Afrique, surtout au Congo. Elle dormait avec ses enfants partout. Des petits enfants. L'aîné devait avoir peut-être 14 ans. J'étais 5. Elle va à l'hôpital, 4e examen négatif. Miracle. Le Dieu de la Bible est un Dieu de miracles. Acclamez ce Dieu. Elle m'a dit, je vais commencer le commerce. Elle a commencé le commerce de vendre des petites ampoules. Quand elle vendait, elle apportait toujours sa dîme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fidèles aux dîmes ici à l'église? Il faut être fidèle. Elle apportait sa dîme, j'ai prié, elle apportait sa dîme, j'ai prié. Elle commence à aller à Lagos, au Nigeria, Nigeria, Nigeria. Elle achète une voiture, Nigeria. Et puis un jour, je suis allé chez elle, je lui ai dit, je suis venu te dire que toi, ton nom sera grand dans les affaires dans ce pays. 6 mois après, elle a commencé à importer des appareils en Chine, des conteneurs d'appareils qui portaient son nom depuis l'usine. Ce sont des Libanais qui venaient acheter chez elle. Elle a construit des maisons, des immeubles. Les sida est parti. La pauvreté est partie. Elle m'a acheté une grosse Mercedes à l'époque pour me remercier. Même si les gens nous critiquent quand nous roulons dans les belles voitures, ils disent que voilà les offrandes, vos offrandes, là où ça part. D'ailleurs, vous-même, vous ne nous critiquez pas, vous êtes content de voir le pasteur prospérer. Ce sont les païens là qui parlent. C'est une femme bénie aujourd'hui. Tous ses enfants grandissent en Europe. Son fils est un grand pasteur en France. Je veux prier pour vos finances. Peut-être qu'un jour, on se rencontrera, tu me diras, papa, quand il y a ça, c'est dimanche-là. Quand tu as prié, quand tu as demandé qui peut donner autant, j'avais fait mon acte d'action de foi. Voilà ce que ton Dieu est en train de faire. J'ai besoin de quelques personnes, 5 personnes, qui peuvent s'élever par la foi, qui peuvent agir maintenant ou dimanche prochain avec 500 euros, qui peuvent venir. Je vais prier avec eux, déclarer des choses dans leurs finances. Je sais que les temps sont toujours durs. Mais Élie est arrivé dans la maison de la veuve, le temps était dur. Si Élie était de notre époque, on allait le traiter d'un voleur, d'un escroc. Il arrive dans la vie d'une veuve qui n'a que du pain et de la farine. Et la veuve lui dit, je n'ai que ça. Et lui dit, d'abord moi. Sans tenir compte, il y avait un enfant qui était là, un orphelin. Élie dit, d'abord moi. Mais de nos jours, mais vous êtes un escroc. Mais Élie savait qu'il avait la parole de multiplication en lui. Il avait la grâce charismata. Il peut parler, quelque chose va arriver. La femme a obéi. La femme a donné à manger à Élie. Le petit garçon tourne autour. Là, Élie ne s'occupe même pas de lui. Élie mange, il finit. Quand Élie finit, il dit il manquera point de farine dans cette maison, ni de l'huile dans cette maison. Et il sort, la femme va à la cuisine, miracle.
Le Dieu de la Bible n'a pas changé. C'est un Dieu de miracles. Cinq personnes qui peuvent venir ici en disant, papa, qu'en 15 mois, je donnerai tout de suite ou dimanche 500 euros pour bénir ce ministère. Venez, vous êtes plus que cinq. Gloire à Dieu. Mettez-vous à genoux. Est-ce qu'il y a de l'huile ici? Je peux oindre leurs mains. La Bible dit que... Oh, alléluia. Merci de votre réponse. Vous êtes le double de ce que j'attendais. Merci beaucoup. Mais soyez des personnes qui s'engagent et puis qui respectent leurs engagements. Étendez vos deux mains. Je vais toucher vos mains. La Bible dit qu'il bénira l'ouvrage de nos mains. C'est-à-dire que tout ce que tes mains vont faire aujourd'hui là, je déclare que tout ce que tu toucheras, la sécheresse partira. Le blocage partira. Peut-être même Dieu va répondre de là de ce que toi tu attends. Là où tu n'attends pas, un miracle va arriver. Père céleste, joins toutes ces mains en ton nom. Quand je joins tes mains, tu commences à frotter tes mains, tu continues de parler à Dieu pour lui dire merci parce que je sais que ton serviteur a parlé, ça va s'accomplir. Frotte les mains. Merci. Musique. Frotte les mains. Parle. Yendere bara shekere baba. Gondere baba ra koro shekere bebe. Yendere baba baba baba. Ye karabolo shekendere bebe. Ya kandara bo 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 bo. Gondere bebe. Ye kendere bebe kara sheke. Parle. 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 Ye kere bara sheke. Ye ndere baba. Que vos mains soient ointes. Que vos mains soient ointes. Continuez à frotter vos mains en parlant. Parlez. Que vos mains soient ointes. Parlez, parlez, frottez vos mains. Parlez. Yekende reba. Kandara bolo shek. Désormais. Désormais. Yekere barash. Que vos mains soient ouettes. Je chasse. Je chasse. La pauvreté. Le blocage. Yekende reba. Yekere baba. Yekere baba. Yekere bebe. Yekere bebe. Yekere bebe. Yendere bebe. Yendere bebe bebe bebe. Que l'onction de la prospérité vous accompagne. Le succès, la réussite vous accompagne. Yendereba la chakara. Yendereba. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Faites-le.
J'ai prié pour vous. Ne soyez pas malin envers Dieu. Honorez vos engagements. Dieu aime les gens fidèles. Que Dieu vous bénisse. Laissez-la, laissez-la. Laissez-la. Et je voudrais voir ceux qui peuvent donner 200 euros tout de suite, aussi dimanche. Qu'ils viennent, je vais prier aussi pour eux. Pour 200, venez, mettez-vous là. Musique. Mettez-vous à genoux. Tendez vos mains et je oins vos mains maintenant. Frottez vos mains et parlez. Frottez les mains. Frottez vos mains, parlez à Dieu. Frottez vos mains, parlez à Dieu. Votre place, vous pouvez le faire tout de suite ou dimanche. Allez vous asseoir. Termine avec ceux qui peuvent s'engager pour 100 euros. Mettez-vous là. 100 euros, venez. Étendez vos mains.
celui qui a 50 euros, 20 euros, 10 euros, c'est une offrande prophétique. Cash, 10, 50, 20, 10, viens. Viens serrer ma main et dépose cette offrande prophétique. Acclamons le Seigneur. Merci. Encore une fois, merci au prophète Joseph. J'ai appris à t'aimer, à te découvrir et à apprécier ton ministère. Je suis fier de ce que tu fais comme travail. Que mon Dieu te récompense. Au centuple, qu'il te bénisse, bénisse ton épouse, qu'il bénisse ton ministère. Au mois de juin, nous aurons un grand événement de son sacre au rang d'évêque. Acclamons le Seigneur. Axel, merci mon fils. Merci pour ta loyauté envers ton père. Demeure loyal. Que personne ne trouble ton cœur un jour. Et que personne ne te séduise. Reste fidèle, loyal. Dieu te récompensera au-delà de ce que tu peux imaginer. Merci beaucoup pour ta soumission, ta loyauté envers l'homme de Dieu, ton père. Et j'apprécie cela au nom du Seigneur. Sois encore davantage béni, toi et ton épouse. Et que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Bye bye, merci. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever? Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur. Là où tu es, lève tes deux mains vers le ciel. Tu vas remercier Dieu par rapport à ce que tu as reçu. Commence à dire merci au Seigneur par rapport à ce que tu as reçu. Dis merci à l'Éternel, disant Seigneur, je sais que tu m'as donné des choses que les yeux n'ont pas vues. Que les oreilles n'ont jamais entendu. Des nouvelles recettes que je ne m'y attendais pas. Tu m'as accordé la charisme à ta Seigneur. Je ne m'y attendais pas. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin pour les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Seigneur, dis merci à Jésus.
Dis merci à l'Éternel. Tu es grand de tout mon être. Alors s'élève à joie, Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être. Alors s'élève à joie, Dieu tout-puissant. Nous venons te dire encore une fois merci. Merci Seigneur. Ce sera la réunion du Saint-Esprit avec un oint de Dieu, un père pour le réveil du Congo, un homme que Dieu utilise dans le monde entier et Dieu nous a donné l'opportunité de venir.